Une bête au paradis pour enfants matures. Nous n'avons pas répété cette lecture, c'est la première fois qu'on l'a fait. Donc en fait, vous êtes un petit peu notre public test, nos cobayes. Donc si vous voulez être remboursé à la fin, vous avez le droit de prendre des bénévoles avec une petite caisse qui se fait pour ça. Et si jamais ça vous plaît, après on passe au stade Gerland et éventuellement l'hôtel Accor Arena à Bercy. Donc on espère qu'on va faire les choses correctement. Donc c'est la première fois qu'on lit une bête au paradis tous les trois. Je suis très contente d'être là, c'est pas une apparence que j'ai vue ce matin. Je suis la marraine de cette édition, donc je suis ravie de faire la dernière lecture de cette journée. On espère de tout cœur que cette bête sera domestiquée à la fin de la lecture. Une bête au paradis. Faire mal. Blanche Alexandre fait l'amour pour la première fois pendant qu'on saignait le cochon dans la cour. Ils avaient fermé les fenêtres sans tirer les rideaux. En bas, la fête battait son plein. L'animal gueulait comme un supplicié. Les paysans voisins s'étaient rassemblés. Le sang dessinait de larges coquelicots sombres sur la terre battue. Sous l'arbre devant la porte, Louis avait dressé des tables recouvertes de nappes à l'initiale de la famille Aymar. Une quarantaine de personnes assistaient à l'écoulement. Les petits regardaient, les yeux écarquillés. Émilienne, au premier rang, disait « Là, là, doucement, le sang, gardez bien le sang. » Au premier étage, Blanche et Alexandre, nus, se serraient, enlacés, sachant quoi faire sans savoir comment faire, sachant que ce serait douloureux, sans savoir comment rendre cette douleur plus belle. L'odeur du sang dans la cour rivalisait avec celle de la peau d'Alexandre, du sexe de Blanche. Ils ne sentaient plus rien qu'eux-mêmes, n'entendaient que leur souffle mêlé, à la fois apeurés et soulagés de se retrouver ensemble, enfin. D'abord, Alexandre explora la jeune fille avec ses mains et sa bouche. Blanche, la tête sur les immenses oreillers bleus, le regardait. Il tenait sa tête dans ses bras, sa bouche et ses doigts descendaient le long de son ventre, tels des grimpeurs en manque de montagne. Avant d'enfouir ses lèvres dans celles de Blanche, Alexandre releva la tête, les yeux fixés sur les poils pubiens d'un brun foncé. Souriant, il désigna par la fenêtre les feuilles du grand arbre et murmura « C'est la même couleur. » Elle émit un rire bref, nerveux. Alexandre la caressa doucement, comme on fait pour calmer les ânesses quand elles n'aiment pas. Son visage disparut entre ses jambes. Les mains de Blanche, crispées sur les épaules du garçon, labouraient sa peau tout en le maintenant contre ses cuisses. Est-ce que ça va? Il la tenait contre lui, son bras sous sa nuque. Blanche semblait dormir sur son épaule, mais ses yeux étaient grands ouverts. Elle ne paraissait ni triste, ni en colère. Simplement, le vert sombre de son regard s'enfonçait dans le mur, face au lit. Et Alexandre avait beau chercher, il ne voyait qu'un mur, au coin duquel une petite araignée, très fine, presque élégante, emmaillotait un moucheron. Blanche, est-ce que ça va ?
Son corps fut parcouru d'un frisson. J'ai connu mieux, dit-elle en jouant du bout des doigts autour de son nombril. Ça fait si mal que ça? Alexandre se redressa. Il pensait avoir été doux. Elle n'avait pas crié, ni pleuré, ni demandé qu'il arrête. Il avait pensé qu'il s'en était bien sorti. Les hommes lui avaient dit que toutes les premières fois étaient pénibles, le mieux était que ça se fasse vite. Blanche se redressa à son tour. Il se tenait droit contre les oreillers, l'air un peu solennel, les joues striées par l'empreinte des draps. Blanche ramena ses jambes entre ses bras. Tout à coup, elle eut l'air d'une petite fille. Ça fait mal? Elle leva les yeux au plafond. Sa bouche émettait un marmonnement indistinct, auquel Alexandre était habitué. Blanche triait ses mots avant de parler. Elle les rangeait dans l'ordre, pour que ses phrases soient claires. En cours de français, elle faisait la même chose. Mais personne ne se moquait d'elle, elle était la petite fille d'Emilienne. L'hiver dernier, j'ai marché sur une braise que le feu avait crachée devant le cheminée. La voix de Blanche avait changé. Ce n'était plus celle d'une jeune fille qui avait mal, mais celle d'une femme qui expliquait pourquoi elle avait eu mal. Ça fait mal comme de marcher sur une braise, conclut-elle. Puis elle l'embrassa rapidement à plusieurs reprises, sur le nez et au coin des lèvres. Alexandre voulut la tenir contre lui, mais elle se dégagea, sauta du lit et avança jusqu'à la fenêtre. La cour va sentir le sang pendant 3 jours. Le sang du cochon imprégnait tout. Son odeur enveloppait le paradis avant que l'OTAN la pousse ailleurs. Une nappe lourde, mélange d'entrailles, d'excréments, de poils et de terre, enduisait les fourrages. Partout où l'on posait la main, les doigts plongeaient dans un grand bocal de sang chaud. Pendant 3 jours, plus, si le vent ne se levait pas, le paradis portait les éclaboussures des bêtes mortes. Rien ne servait de frotter, de laver. Il suffisait d'attendre, et l'odeur partait, imprégnée une autre terre. Avant, ça ne me dérangeait pas, maintenant ça me donne la nausée, grogna Alexandre assis sur le lit. Il se rhabilla très lentement. Depuis combien de temps était-il dans cette chambre? 1 heure? Plus? Il n'en savait rien. Blanche et Alexandre avaient décidé du jour et du lieu de leur première fois quelques semaines plus tôt. Alexandre n'était jamais chez lui. Sa mère était femme de ménage à l'école du village et chez le notaire. Son père guichetier à la gare de la ville voisine. Le matin, leur fils partait de la maison avant eux et le soir, rentrait après. Le week-end, les parents ne quittaient pas le salon, ni l'était le bout de jardin entretenu des 8e merveille du monde, devant le chemin de terre qui sortait à angle droit de la route principale. Impossible pour les adolescents de se retrouver là-bas. De la même façon, au paradis, il y avait toujours quelqu'un. Emilienne s'affairait en cuisine, recevait dans la salle à manger ou dormait à l'étage. Lorsqu'elle sortait aux animaux, Louis, son commis, veillait à ce que la maison soit en ordre. Il y avait bien des fois où ces deux-là quittaient ensemble le domaine, mais jamais longtemps. D'ailleurs, Blanche détestait qu'il s'en aille au même moment. Consciente qu'elle hériterait un jour du domaine entier, s'y trouver seule l'emplissait d'angoisse. Blanche craignait de ne pas savoir s'y prendre. À 16 ans, elle avait encore besoin de regarder Louis et Emilienne faire, d'enregistrer leurs gestes, d'emmagasiner leurs forces pour le jour où le paradis dépendrait entièrement d'elle. Quand la grand-mère et son commis quittaient la ferme, les vaches meuglaient à l'autre bout des bas-champs.
Les bécassines au bord de l'étang s'envolaient sur l'eau, fuyant blanche. Après la fenaison, les balles de foin, immobiles sur le sol gras, la narguaient. Même si Blanche aimait le paradis, elle s'y sentait petite. Les fantômes qui peuplaient les lieux prenaient toute la place. Et c'était elle qui avait eu l'idée du jour du cochon. On reste au début, et quand tout le monde regarde le porc mourir, on disparaît. Mais il faudra revenir avant le départ des invités. Alexandre n'avait rien dit. C'était ça, ou la grange, ou attendre. Ils descendirent. Blanche, la première. Louis s'affairait sur la carcasse du cochon, et lorsqu'elle avança parmi les paysans, le teint rose et frais, souriant aux uns et aux autres, telle une madone distribuant ses grâces, le commis fut pris d'une sensation mauvaise. Il tenait les pattes de l'animal liées par une corde épaisse devant cette petite qui, ce jour-là, n'avait pas assisté à la mort du cochon pour s'enfoncer à l'étage dans la peau d'un autre garçon que lui. Tué. Louis devint étrange. Blanche fermait la porte de la salle de bain à clé, contournait la grange quand il y travaillait. Aux heures de repas, elle s'asseyait à ses côtés, jamais en face. Elle occupait la place de son frère, Gabriel. En bout de table, Émilienne regardait Blanche grandir. Sa petite fille comprenait enfin que Louis, à 23 ans, n'était ni son frère, ni un simple employé. Peut-être le désir s'emparerait un jour de Blanche et qu'il la mènerait dans les bras de lui. Émilienne pensait. Ces deux-là feraient un joli couple. Mais Blanche l'avait connu trop tôt. Il n'était ni de sa famille, ni de ses amis. Pour la fille Aymar, Louis n'avait aucun charme, aucun pouvoir érotique. Il occupait la place d'un animal domestique, intelligent et docile. Elle l'aimait comme cela.
pas autrement. Comprenant peu à peu l'effet que son jeune corps produisait sur lui, Blanche posait patiemment les pieds sur le chemin qui menait à elle. Louis ne tombait pas dedans. Non pas qu'il fût trop honteux de sa réaction, mais humilié. Oui, humilié qu'elle avait compris si vite, peut-être même avant lui, et anticipé ses gestes et ses regards au point de se barricader en un seul après-midi. Louis refusait de croire qu'elle était devenue ce genre d'homme, trop investi sur le domaine, trop proche de Mylène pour briser son équilibre. Mais voilà, il l'avait regardée. Blanche observait tout, préparant ses coups avant ceux de l'adversaire. Elle était en colère contre lui. À travers ses yeux, elle avait pris conscience de sa propre transformation. Très tôt, sa grand-mère lui avait expliqué que le corps des femmes était une ville et celui des hommes un village. Les formes des femmes évoluaient, changeaient sans cesse, se répandaient à la vue des autres. La peau se gonflait en certains lieux et se creusait ailleurs. Tandis que le corps des hommes, passé l'adolescence, gardait son aspect et sa taille initiale. L'âge et l'alcool pouvaient l'arrondir, mais il ne se métamorphosait pas. Blanche devait, selon sa grand-mère, se préparer à de grands changements. Sa petite ville deviendrait plus vaste, plus grosse, plus désirable. Louis n'avait rien d'un rapace survolant la charogne de l'enfance. Mais Blanche, quand elle s'asseyait à ses côtés et qu'il baissait la tête sur son assiette, se retenait de le gifler, de lui hurler qu'elle n'y était pour rien si ses fesses étaient rondes. Elle tirait sur son t-shirt, aplatissait les bosses de ses seins, ramenant sur son front ses cheveux dont le soleil adoucissait la couleur. Elle tentait de se rendre invisible, et malgré sa colère, elle s'interdisait toute méchanceté envers lui. Quelques années plus tôt, elle avait appris, de la pire des façons, que ses emportements pouvaient se retourner contre elle. Très tôt, à 8 ans. Ce jour-là, Blanche s'affairait à l'étage. Elle descendait lorsque son frère, d'ordinaire si calme et avachi, déboula de sa chambre avec une feuille de papier à la main. Il voulut passer devant, entrava la cheville de sa sœur qui tomba et dévala les marches pliées en deux. Arrivé en bas, il lui fallut quelques secondes pour remettre chaque membre à sa place. Sa chute avait marqué ses coudes et ses genoux.
Du haut de l'escalier, Gabriel avait regardé sa sœur dégringoler. Il se tenait là, la feuille de papier devant la bouche, les yeux ronds devant le spectacle qu'il venait de mettre en scène, involontairement. Et lorsque Blanche retrouvait ses esprits, elle lui ordonna de descendre. Gabriel recula d'un pas. Raide, sa sœur, épaules arrondies, lèvres tremblantes, tendit la main en avant et répéta « Descends maintenant !» Gabriel soupira et avança lentement. Les marches craquaient sous ses pas. À présent, la feuille de papier plaquée contre sa cuisse, il n'avait dur que pour ceux de sa sœur. Elle ne bougeait pas. Un instant, il imagina qu'un énorme chien l'attendait, qu'il ne pourrait le contourner sans qu'il se jette sur lui. « Je n'ai pas fait exprès, Blanche, je te jure. » Elle renifla. Gabriel crut qu'elle allait cracher par terre, mais elle se contenta de respirer plus fort. Il n'allait pas assez vite et sa lenteur exacerbait la colère de Blanche, dont les joues, rosies par la peur et la gifle du bois, retenaient de plus en plus le sang. Lorsqu'il mit le pied sur le paillasson, sa sœur attrapa son bras, au bout duquel le dessin pendait lamentablement, et dans un geste d'une violence formidable, elle le gifla de toutes ses forces. Au coin de l'œil, le corps entier lancé dans cette claque. Gabrielle renversa la tête. Au moment où elle dressait le dos de sa main pour le frapper de l'autre côté, Emilienne sortit de la salle à manger. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle fixa les coudes ensanglantés de Blanche, son visage dévoré par la rage, et vit que ses doigts serraient le bras de Gabrielle. Le petit sanglotait sans bruit, retenant ses larmes pour ne pas exciter sa sœur dont la main libre, encore en suspens au-dessus de sa tête, lui paraissait démesurément longue et lourde. Lâche-le ! Emilienne posa son tablier dans l'entrée. Blanche libéra son frère qui s'enfuit dans la cuisine. Viens dehors ! Grogna la vieille, attrapant Blanche à la nuque, comme pour un chien qui aurait chié dans l'entrée. Elle le mena ainsi au perron et désigna le poulailler. « Va chercher Louloute !» Elle lâcha Blanche, qui prit la main de sa grand-mère dans la sienne. « Il m'a poussée dans l'escalier et j'étais en colère. »« Va chercher Louloute, je te dis !» Les larmes montèrent. Elle connaissait sa grand-mère. La supplier ne ferait que retarder le moment où elle, Blanche, souffrirait plus qu'elle n'avait souffert en dévalant l'escalier. Tête baissée, résignée, elle se dirigea vers la banquise. Une grosse poule brune piquerait. La poule, habituée aux caresses de la petite, se laissa prendre. Les deux enfants avaient chacun une volaille préférée. Louloute, avec ses plumes qui sentaient la chure et la boue, était celle de Blanche. Tandis que l'enfant retournait là où Emilienne l'attendait, elle chuchota à Louloute. « Je suis désolée. Gabriel m'a poussée dans l'escalier. Je suis désolée. » La poule tenta de se dégager, mais Blanche la coinçait contre elle. Lorsqu'elle eut atteint le perron, elle supplia une dernière fois sa grand-mère du regard. Celle-ci l'ignora, attrapa l'animal par la tête et lui brisa le cou. La petite étouffa un cri. Quelque chose en elle mourut en même temps. Elle voulut se jeter par terre, pleurer sur ce tas de plumes cassées en deux. Mais Emilienne l'attrapa avant qu'elle ait pu bouger et elle planta ses yeux dans les siens en murmurant. « Ne cogne plus jamais ton frère qui m'entend, plus jamais. » Blanche haït aussitôt Emilienne. « Ne fais jamais de mal à un plus fort que toi, jamais. Ne fais jamais de mal à un plus petit que toi, jamais. Tu souffriras par un plus fort. » Puis elle abandonna sa poigne. Dans la salle à manger, Louis avait tout entendu. Ce jour-là, la cruauté d'Emilienne l'avait heurté. Quand le cou de Louloute avait craqué, il s'était pendant quelques secondes mis à la place de Blanche, essayant de la délester de sa douleur, de son chagrin, devant l'animal qu'on sacrifiait pour une leçon qu'il jugeait idiote et malvenue.
En traversant la pièce, Émilienne s'arrêta devant la cheminée. « Va enterrer la poule avec Blanche. » Louis se leva, mesurant chacun de ses gestes, puis lança « Ce n'était peut-être pas nécessaire. » Silence. Les yeux dans les flammes, Émilienne chantait une bûche du bout du tison. « Rien de bon n'arrive quand on cogne. Tu es bien placé pour le savoir. » Puis sans rien dire, d'un geste aussi brutal que rapide, elle le congédia. Courbée sur le cadavre, la petite enfouissait ses mains dans les plumes, marmonnant des insultes. Louis ne savait pas à qui elle les adressait, à Émilienne, Gabrielle, ses parents peut-être. Il ne savait pas, mais jamais il n'avait vu Blanche ainsi, livrée à son chagrin, tombée dans son trou où l'enfance s'était effondrée. On va l'enterrer, murmura-t-il. Blanche se releva brusquement, gênée par la présence de lui. Lorsqu'elle tourna la tête vers la maison, elle aperçut Gabriel. Il n'osa pas faire un pas de plus en avant et posa la feuille sur le paillasson. Louis ramassa le morceau de papier humide de sanglots et reconnut tracé au crayon noir l'arbre et la poule. Gabriel avait dessiné ce qu'il voyait depuis sa chambre, et juste sous le banc que sa main d'enfant avait imaginé beaucoup plus large que le tronc de l'arbre contre lequel il s'appuyait, il avait écrit « Pour Blanche !» Louis tendit le dessin à la petite fille qui écarquilla les yeux devant l'habileté de son frère à rendre ce qu'il voyait, et sous le choc que son prénom, écrit d'une main encore novice, provoquait en elle. La poule morte entre les bras, elle tint la feuille du bout des doigts et marcha au-devant de lui jusqu'à la passerelle sous le poulailler. Là, elle lui demanda de creuser une tombe, pareille à celle qu'on fait pour les humains, et dans cette tanière grossière, elle voulait déposer le loot ainsi que le dessin de son frère. Agile, Louis dégagea une petite fosse ronde, un peu plus large que la poule, et s'agenouilla pour y placer lui-même le cadavre. Mais Blanche s'avança, s'abaissa comme on se baisse devant un ruisseau frais, et installa le loot dans sa dernière demeure, moins odorante que le poulailler d'Émilienne, mais plus étroite. Entre ses plumes, qu'elle caressa pour le mettre en ordre, elle coinça le dessin de Gabriel. « Il n'a pas fait exprès, » murmura-t-elle en se tournant vers lui. Le jeune homme acquiesça. Il voulut aussi dire quelque chose à propos d'Émilienne, quelque chose de dur, de méchant, mais il se retint. Les mots de la vieille résonnaient en lui. Ils remontèrent au paradis en silence. Louis marchait devant. À mi-chemin de la butte, il tendit la main pour que Blanche se glisse plus rapidement, mais elle esquiva son geste et le devança, soudain enhardie. Alors Louis comprit qu'ici, la mort était une affaire de famille que l'on réglait ainsi que l'on prit un drap propre, naturellement et sans chichi.
Baiser. C'est un mot qu'il n'employait jamais. Bien sûr, il l'entendait. Souvent, partout, dans la cour, à la télévision, à la radio, dans les livres, les magazines, les conversations au bistrot, les conversations au marché, les conversations tard la nuit, dans le fond de la classe, en salle de permanence. Il l'entendait, mais il ne le disait pas. Quand Alexandre était seul, il passait des heures à imaginer Blanche, habillée, peu habillée, avec un seul vêtement sur elle, simplement ses sandales d'été. Il imaginait prendre du plaisir grâce à lui, même s'il ne se voyait pas dans le tableau qu'il dessinait à mesure que le désir paralysait chacun de ses muscles. Il voyait Blanche, parfois de dos, ses fesses offertes, parfois sous lui, avec des yeux fermés qui lui demandaient de garder ouvert, pour y lire le plaisir, d'autres fois dans des positions étranges, de côté, un peu tendue sur elle-même, de façon à ce que la courbe de ses seins paraisse plus ronde, ou le trajet de sa nuque à l'épaule plus étroit. Alexandre passait le plus clair de son temps à imaginer Blanche, et quand il jouissait de trop d'images, dans ses draps, dans sa main, dans l'eau du bac de douche, dans la cuvette des toilettes, ou même une fois sur le bord d'un chemin où il s'était étendu dans les blés hauts, il ne pensait pas à baiser Blanche, la voir, la prendre, la remplir, la tenir, peut-être, oui. Il s'était déjà dit ces mots, mais la baiser, non. Ceux qui utilisaient ce terme étaient des garçons qui n'avaient jamais baisé qui que ce soit d'autre que leur main droite, ou des hommes trop sales, trop avinés, trop seuls, qui ne se souvenaient plus de ce qu'avait provoqué pendant ce bref moment d'existence où les femmes posaient des yeux avides sur eux, la naissance du plaisir et son accomplissement. Alexandre savait que dire « baiser » était la preuve qu'on ne baisait pas et que ça rendait la tête malade. Blanche ne le rendrait pas malade. Il ne parlerait ni ne penserait jamais à elle comme une fille plus baisable que les autres. Blanche mit du temps à se laisser approcher. Mais lorsqu'elle accepta les mains d'Alexandre sur elle, son appréhension s'évanouit, comme brume se dissipe et est soudain un ciel clair et dégagé à ceux qui marchent dessous. Ainsi, tous deux, ils avançaient dans cette vie jusqu'ici percée de mauvais trous, d'accidents et de maisons basses, de manque d'argent et de manque de tout. Si Louis travaillait dehors, Alexandre, lorsqu'il venait rendre visite à Blanche, prenait soin de ne pas affoler les poules, de ne rien déplacer dans la maison, ne provoquant aucun changement. Il effleurait la ferme et il effleurait Blanche avec délicatesse, ne laissant pas trace de son passage, se sachant nouveau et probablement malvenu à l'équilibre qu'Émilienne avait péniblement laborieusement installé, conscient d'être un danger pour cet équilibre. Il évitait de s'attarder. Il apportait des bonbons, du pain, du sirop, du beurre. Quand elle le voyait depuis la cuisine, traverser la cour, Émilienne ne disait rien. Il avançait avec précaution. Alexandre évitait Louis, et Louis évitait Alexandre. Au paradis, devant le lycée, au marché, au bistrot, ils se parlaient peu, presque pas. Pour dire bonjour, ils se contentaient d'un geste de la main. Blanche allait de l'un à l'autre, telle une barque entre deux rives, considérant Louis comme elle l'avait toujours considéré, morceau d'une famille qui n'était pas celle du sang, mais celle d'un drame. Elle le respectait, mais évitait tout ce qui aurait pu laisser croire qu'elle l'aimait plus que cela, plus que le rescapé d'une tragédie qui durait dans ce chalet dégueulasse. L'arrivée d'Alexandre le rapprocha encore plus d'Émilienne. La vieille savait ce qu'il endurait en présence du jeune homme, et dans ce silence
elle lui ordonnait de prendre modèle, de continuer, de ne pas se laisser happer par les trous de l'existence qui s'ouvraient devant lui. Elle lui enseignait qu'apprendre à vivre consistait à contourner ses trous. Le jour du cochon, lorsque Blanche et Alexandre quittèrent la chambre, Louis, les mains dans le sang, s'acharnait sur la bête, comme il se serait acharné sur son père ou sur le corps d'une fille qu'il n'aimait pas. L'odeur du sang lui donnait des forces. Il s'en emplissait pour éviter de penser à ce qu'ils avaient fait, plus haut, dans cette chambre, où lui-même avait été soigné et aimé pour la première fois. Il contournait le gouffre que son désir, sa colère et sa jalousie ouvraient sous ses pieds. Autour de lui, les hommes disaient « Voilà un brave gars » et lui proposaient de venir travailler pour eux à l'occasion. Louis répondait qu'ici, il ne travaillait pas, que c'était sa vie, voilà tout. Et en le disant, il se rendait compte qu'il n'aurait pas su élever, nourrir et tuer les animaux de quelqu'un d'autre. Les mains gluantes de sang, Louis se sentait le gardien du paradis, nécessaire et besogneux. Émilienne vieillissait. Ce n'est pas qu'elle se plaignait, qu'elle marchait plus lentement, qu'elle rechignait à la tâche. Non. Simplement, Louis remarquait qu'elle soufflait lorsqu'elle remontait de la fosse, où elle se rendait d'ailleurs moins souvent. Il lui arrivait de s'asseoir à deux côtés, de répéter plusieurs fois les choses. Louis l'entendait se dire des secrets, se parler des craintes de l'avenir, du prix des œufs, de la viande, du poids des vaches, du nombre de veaux. Il l'entendait et cela le blessait. Il avait la sensation qu'il n'était pas un confident à la hauteur des attentes et des angoisses d'Émilienne. Elle préférait se confier à elle-même, à sa part la plus jeune, la plus forte, que de s'asseoir devant Louis et de lui demander d'agripper les rênes de sa vieillesse, de pousser sur ses bras de paysan pour garder la ferme bien droite, le temps que Blanche passe son bac et apprenne auprès d'Émilienne comment tenir le paradis. Louis savait qu'il partageait avec l'aîné de la famille Aymard un attachement charnel à la terre du paradis, bien que marécageuse, vorace, indomptable. Blanche ne partirait pas. Malgré ses excellents résultats scolaires et les encouragements de ses professeurs à poursuivre, elle détestait ce terme, poursuivre, ainsi qu'un chasseur traque une bête, on l'a poussé à traquer le monde. Blanche ne laisserait ni sa grand-mère, ni son frère au paradis. Blanche devint une ombre besogneuse, fermée, une ombre de rage et d'abandon. Elle se déplaçait dans sa vie comme un fantôme dans une forteresse, rasant les murs pour s'y enfoncer, devenant invisible à Louis, Émilienne et Gabrielle, qui l'avaient vu perdre ses moyens et devenir cette pauvre silhouette.
Ils n'évitaient pas le sujet, simplement ils avaient vécu cet effondrement avec elle, et Ilyen dans ses bras la retenant contre le mur, Louis jetant Alexandre hors du paradis, Gabriel dans le passé, dont il partageait la vive blessure du départ inacceptable. Alexandre ne reviendrait pas. Blanche le savait. Il rentrerait le premier week-end, peut-être, et après, la grande vie, la vraie vie, disait-il. Peut-être se pensait-il capable d'être à la fois un garçon des villes et un garçon des champs, un homme ambitieux et un homme amoureux, un fils prodige et un fils aimant. Mais Blanche savait, à la manière dont il parlait de ses parents, de ses pauvres parents, de leur petite maison, qu'il n'avait plus rien à faire ici. Il ne restait qu'elle et elle ne pouvait pas laisser le paradis. Il le savait depuis le début. Que deviendrait la ferme si Blanche partait, même pour un an, ou deux, ou trois seulement. Louis seul s'occuperait des animaux, des bâtiments, des champs. Émilienne, penchée au-dessus de la grande table, calculerait chaque semaine ce que la ferme rapportait, ce qu'elle coûtait, pensant qu'ils auraient besoin d'embaucher, mais qu'ils ne pouvaient pas. Gabriel aurait pu prendre la place de Blanche, mais il ne le pourrait pas. Bien sûr que non, on ne gère pas un domaine avec des yeux pleins de larmes et une pensée ralentie. Alexandre, s'il n'était pas parti à prendre, à vendre, à 50 km de là, aurait pu travailler ici, près de Blanche. Mais il n'avait pas pu, ce n'est pas que son corps refusait la besogne, au contraire. Mais Alexandre n'était pas un garçon de grange, d'œuf, de corne. Alexandre n'était pas un garçon de marécage, de lisier, de grenouille. Alexandre était un homme impatient, dont les rêves dévorants dépassaient les contours du paradis. Et l'amour qu'il portait à Blanche, son amour d'adolescent, d'une vivacité éblouissante, ne suffisait pas à l'immobiliser en ces terres, près de ses pauvres parents, de leur petite maison, de la vieillesse d'Émilienne et du regard noir de Louis, près de la mélancolie quotidienne de Gabriel, qu'il évitait à tout prix, craignant d'être contaminé par elle. Blanche était la seule trace de lumière dans cette étendue verte et brune, grise et pâle, sèche ou trempée. Et elle l'avait chassée. Blanche devint l'ombre. Et comme les ombres dans les vieilles maisons et les vastes paysages, elle ne dormait pas. Elle emplissait l'espace et l'abandonnait, dans la seconde, fuyante, mue par le chagrin. Elle se nourrissait de ce qu'on lui laissait, passant après le passage des autres, buvant après la soif des autres, s'étirant à l'infini entre les lieux du passé et ceux de l'avenir. Tout commençait, tout finissait au paradis, ainsi nommé par une mère absente, ainsi montée par un amour jeune, intrépide. Si beau dans ses rires, si humiliant dans ses implorations. Comme une ombre blanche enveloppait la ferme de son silence. Elle traversait la cour sans bruit, nourrissait cochons, poules et vaches sans mots. Les bêtes la regardaient, tremblant des oreilles, frémissant des naseaux, reculant légèrement devant ses gestes mécaniques. Le foin qu'on défait, le grain qu'on étend, les ordures qu'on jette. Le seau au bout du bras dont Blanche fait un bracelet rouillé autour du poignet. Les doigts qui se referment autour du cou pour le briser d'un mouvement rapide, efficace. La pelle qu'on passe lentement sous les merdes de vaches pour n'en pas perdre un gramme. Au début, lui l'empêcha de s'épuiser en tâches difficiles. Elle repoussa toutes ses attentions. À mesure que le temps passait, que la fin de l'année scolaire arrivait et que dans la cour du lycée, les élèves admis à passer dans les classes d'enseignement supérieur
discuter à grands éclats de voix des différents moyens de loger en ville, d'aller et venir, de garder le contact. À mesure que ceux qui, tel Alexandre, avaient choisi de quitter cette terre et défiler dans la cour comme des fantassins sur le point de partir en conquête, Louis cessa de la protéger des douleurs physiques, des réveils anormaux et des nuits courtes. Il fit un pas de côté, guettant l'ombre sans la frôler, la suivant parfois, craignant qu'elle ne se déchire. Après la débâcle du dîner familial, Alexandre tenta à plusieurs reprises de voir Blanche. Au lycée, il la suivit dans les couloirs, demandant s'il pouvait parler. Et tandis qu'il lui exposait, suivant son pas fuyant, tous les moyens à leur disposition pour qu'il reste en contact, déjà il ne disait pas « ensemble », mais « en contact ». Il se heurtait à un visage qu'il ne connaissait pas, un visage fermé, menaçant. Alexandre essaya de persuader Blanche. Toujours ce sourire immense, ses beaux yeux, cette expression de petit garçon à qui il pardonne tout et auquel elle opposa toujours la même réponse. Le silence. Alexandre se demandait si elle l'entendait, si quelque chose en elle l'empêchait de le voir, de l'écouter, de lui parler. Il revint à la ferme, mais Louis l'en chassa. En silence, là aussi, le sourire et la beauté d'Alexandre, son amour et sa tendresse ne lui furent aucun secours. Pour Blanche, il était déjà parti. Il l'avait abandonné. Comment guérir d'un amour vivant? Chaque jour, après le départ d'Alexandre, Émilienne répara une par une, toujours en silence, les failles que ce garçon avait creusées en Blanche. Elle changea ses draps pour faire disparaître l'odeur du jeune homme. Elle se levait avant Blanche, parfois elle ne se couchait pas, pour que sa petite fille ait un petit déjeuner auquel il lui arrivait de ne rien toucher, digne d'un festin. Elle lui lavait ses vêtements chaque jour, elle demandait à Louis, lorsqu'il était de marché, des livres, d'acheter des livres d'occasion pour qu'elle puisse se changer les idées. Le matin, les bottes, les sandales, les petites baskets de toile de Blanche étaient parfaitement propres sur le perron. Chaque soir, son lit était parfumé de lavande. Le vendredi, jour de son bain depuis l'enfance, Émilienne broyait des feuilles de menthe qu'elle brûlait au-dessus d'une petite flamme sur le bord de la baignoire. Elle versait du miel de thym dans l'eau chaude, lui lavait les cheveux au jaune d'œuf et au sucre. Elle réparait Blanche. Ses vieux doigts massaient sa peau, démêler sa crinière, défroisser ses draps, sa vieille bouche réchauffait ses joues, souriait sur son passage, tenait l'aiguille pour recoudre ses pantalons. Dans son coin,
Gabrielle profitait du silence pour s'enfoncer dans ses rêves, sans comprendre pourquoi lui n'avait jamais eu droit aux mêmes soins. Dénué de jalousie, admettant, bonade, que sa sœur était le rouage principal de leur machine, qu'aucun des trois habitants sous ce toit ne supporterait sa chute si elle ne daignait pas remonter les abysses où le départ d'Alexandre l'avait jetée. Oui, elle travaillait, autant que lui, peut-être plus. Mais elle était incapable de se montrer au village, incapable d'accueillir le monde client, d'adresser la parole à d'anciens camarades de classe, de demander la monnaie du pain au boulanger. Elle travaillait dans un périmètre réduit, ne franchissant jamais les frontières de son domaine. Alexandre quitta le village en juin. Il avait trouvé un stage d'été chez un marchand bien en ville qui lui permettrait d'avoir des points lors de son entrée en école. Ça ferait bon effet sur le dossier scolaire. Un jeune homme de 18 ans qui passe la période estivale en bureau pour apprendre. Abandonnant la petite maison étroite de son enfance, Alexandre emporta avec lui un seul et unique sentiment, qui, malgré la pression d'échec, malgré le souvenir de cette dernière soirée au paradis, le remplissait d'une force, d'une assurance, d'une confiance en lui jusque-là tout solide. Il avait aimé Blanche, mais il n'aimait pas la terre qu'elle protégeait. En tout cas, pas aussi dévotement qu'elle. Il ne comprenait pas qu'il n'existait pour la jeune fille d'autre paradis que celui qui abritait sa rage et sa détresse. Il la laissait là, chassé par lui-même, par son âme de conquérant. Il s'éloigna des siens avec la facilité de vivre qu'il habitait et le sauvait de tout, même du désastre de son premier amour. C'était une bête au paradis. Merci pour votre présence.